Et salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose cette boîte. Aujourd'hui on fait du Weiss Schwarz dans la collection Weiss Schwarz. Bienvenue à tous sur Shadow Shack Cards. On attaque cette boîte, c'est Evan Burns Red. Qu'est-ce que c'est à l'origine? Evan Burns Red, c'est un jeu mobile. Et ouais, Weiss Schwarz saute sur tout ce qui peut, tout ce qui bouge, et parfois c'est super cool, et je kiffe vraiment les cartes qu'ils font. Donc je vous ai vraiment, voilà, j'avais vraiment envie de faire cette boîte. Voilà, c'est un jeu mobile qui est sorti au printemps 2022, qui est bourré de personnages, bourré d'armes dans tous les sens. Il y a un max de persos, on peut faire des combinaisons énormes pour pouvoir avancer dans le jeu. J'en dis pas plus, c'est plus des infos que j'ai et des choses, hein. Je suis allé gratter un petit peu à droite à gauche sur le net, évidemment. Mais là, on va revenir sur les cartes et je dois reconnaître que le peu de choses que j'ai vues sur cette boîte m'a terriblement séduit. Et je ne pouvais pas passer à côté, j'avais vraiment, vraiment envie de les faire, et pour moi déjà, et puis surtout aussi pour vous les proposer et vous présenter cette superbe boîte. J'espère superbe boîte en tout cas. Haut en couleur, graphiquement, les persos sont classe, enfin vraiment, y avait du très beau, c'est pour ça que je voulais les faire avec vous aujourd'hui. Voilà. Pas plus de discussions. Je vous invite à aller voir si vous voulez des informations sur le jeu. Et il m'a l'air fort sympathique. Il est sur mobile, je le répète. Donc voilà. Après, libre à vous pour cette petite chose. Nous, en tout cas, on est là pour les cartes. Oh là là, j'ai hâte. J'ai tellement hâte. Hop. Hop, on va mettre ça là. Alors, en plus dit qui dit Weiss Schwarz dit normalement beaucoup beaucoup de boosters à l'intérieur et toujours la petite carte, une petite carte à l'intérieur. Ça, ils n'ont pas changé. Il y a énormément de boosters, c'est cool, c'est vraiment cool. J'espère qu'on va bien se faire plaisir, sincèrement, à l'ouverture en ouvrant ces boosters. La carte à l'intérieur, c'est ça. Non, moi déjà graphiquement j'adore. C'est celle-ci. Donc voilà. Hop. On va se la protéger quand même. Touc. On va la mettre de côté. Allez, combien on en a donc? 2, 4, 6, 8 et 8 qui doivent logiquement faire 16. On est d'accord. Ça marche. Et ben c'est parti. On y va? Allez, go. Le premier. Oh! C'est lourd, il y a du monde. Il y a du monde dedans. Et c'est ça que j'aime aussi chez ce représentant de cartes. C'est qu'on a vraiment du lourd dedans. Il y a toujours pas mal de cartes comme on peut le voir là. Ça, c'est cool. Et c'est parti. Toujours aussi facile à ouvrir. Alors, ouais, j'adore. Déjà, ça commence. Ça annonce vraiment le type de. Le type de jeu, le type de carte qu'on va rencontrer clairement et simplement. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Est-ce qu'on a un système de rareté? Logiquement, oui. Logiquement, oui, mais je ne le vois pas. Si, là, c'est du C. Hop. Logiquement, ça doit être ça. Ouais, il y a vache de perso. On va se faire plaisir. Et puis, il y a les cartes au lot, il y a des cartes, il y a toute possibilité dans ce genre de boîte. Allez, on y va. Oh, j'adore. J'adore, c'est celle avec sa fou. J'adore ce personnage. Mais je kiffe ce personnage. Ok. Ah, yes. Alors, là, moi, voilà. Si toutes les cartes à l'horizontale sont de cette qualité graphique, comme la boîte, hein, clairement, je vais kiffer. Mais je vais grandement kiffer, je vous le dis tout de suite. Celle-là, ah, je sais pas. Allez, vous savez quoi, on va la mettre quand même. C'est un peu. Et puis on verra. On verra si en fonction d'eux. On continue. Très sympa. Ok. Ça brille derrière. Et ça brille. Wow, mais j'adore, j'adore, j'adore. C'est superbe. C'est superbe.
Joli aussi ça. Hop. Bon, on est là pour ces cartes-là. Hein. On est là pour ces belles cartes. Hop. Allez, on y va. C'est parti. Celle-ci, forcément, elle va venir là. Toc. Génial. Génial, génial. Je suis ravi. Je suis aux anges. Hein. Je suis aux anges. Alors, faut que je vous en propose plus souvent des boîtes de Weisswurst parce que franchement c'est cool. On va avoir du double, hein, ça c'est évident, je vous le dis, ça c'est très joli aussi. Oh, j'adore. Oh les top Mimi. Oh les top Mimi. Ouais les cheveux roses forcément. Les cheveux roses forcément. Oh, attendez, non, elle est top Mimi. Elle est top Mimi. Je vais être obligé de la mettre en fond de vidéo. Je sais qu'elle restera pas longtemps malheureusement parce que quoique on n'en sait rien. Mais bon, elle est top Mimi. Ah, j'adore. Ok. Hop. Oh, la même top Mimi qui brille. Génial. Ah, il y a côté Girls Bang dans tout ça aussi. Ça, c'est ouf. Ils adorent. Hein. Ils adorent vraiment ce genre de choses. Moi aussi, ça tombe bien. Et celle-ci, ben, vous savez quoi, c'est pas compliqué. Regardez, hop. Elle va tout directement prendre la place de l'autre. Voilà, du qui brille, ça brille, et moi j'aime quand ça brille. Superbe. Super cool. Ah, je suis content, je suis content. Allez, on continue. Oui, alors ça, je l'avais annoncé, c'était évident. C'est du jeu de cartes, hein, quand même, faut pas l'oublier. Ah, chouette, très chouette. Du qui brille aussi. Et on continue. Oh, classe. J'adore le perso. J'adore le personnage. Oh, double qui brille dans le même paquet. Celles-ci sont vraiment mignonnes. Double qui brille. Allez, deux dans le même paquet, ça me va, moi j'aime bien, allons-y. Alors on va décaler un tout petit peu, on la voit plus la pauvre. Toc, et toc, et voilà. Chouette, on ne pourra pas toutes les mettre, hein. J'annonce tout de suite qu'on ne va pas pouvoir toutes les mettre. Il va y avoir des sélections après, c'est obligé, c'est obligé. Oh, trop cool. J'adore. Oh, ça aussi. Ah, l'univers est top. Mais l'univers est tellement top. Oh, le petit côté Sherlock. J'adore. Ouf. Il y en a, hein. Il y en a du monde. Hein. Oh, mais ça, sérieux. Sérieux, je fonds littéralement sur les personnages de cette boîte. Mais complètement. Oh là 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 là. Waouh. C'est monstrueux. J'adore. Allez, hop. Celle-ci, elle va forcément à un moment donné, je l'avais dit. Je peux pas, c'est pas possible. Il faut qu'on reste sur l'équilibre. Et Dieu va y en avoir encore, j'espère. J'espère. Sérieux. Oh là 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 là. Après, le problème, c'est que trop de personnages, est-ce que ça tue pas le truc, quoi? Mais il y en a pas. Enfin, il y en a pas beaucoup qui sont. Enfin, ils sont tous top, quoi, les persos. Attention. Oh, je kiffe. Mais je kiffe tellement. Waouh. Oh, la qualité, elle est chouette. Les persos sont chouettes. Graphiquement, c'est énorme. C'est génial. Hop. C'est cool, il y en a encore plein. Il y en a encore plein.
Ah, je suis ravi de faire ces boîtes-là. Ok, bon, forcément du doublon, rien à voir, rien à voir. Oh là là, une qui brille comme ça, là, il y en a forcément une autre derrière. Mais oui, il y en a une autre derrière. C'est trop top. Voilà, être là, hein, je peux pas tout. Je vais pas pouvoir tout. Pas possible. Wow. Ah, mais visuellement, c'est superbe. Visuellement, c'est superbe. J'ai déjà plus de place. J'ai déjà plus de place. Hop là. Qu'on va passer un peu plus vite parce que évidemment on va avoir des choses. Oh, il y a un qui brille différent derrière. Attendez, hop, je la mets là. On verra après. Oh, mais carrément. Ok. Oh, elle est belle celle-là aussi. Elle est très belle. Hop, alors un qui brille comme ça. Très bien. Superbe. On va la mettre là. Et donc, derrière ce personnage qui est déjà fort sympathique visuellement, on a... Oh, cool. C'est bien. C'est très bien. Une SR. C'est du SR représenté comme ceci. Très très bien. Allez, hop. Super. À ce rythme-là, j'aurai plus de protection. On continue. Il y a du qui brille derrière. De toute façon, il y en a dans chaque. Oh, j'adore le perso. Oh, j'adore ce perso. Yes. Vraiment sympa. On tourne, on change. Allez, on tourne, on change. Un petit peu. Tuc. Oh. Oh là 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 là. Très bien. Très très bien. Hop. Allez, on continue. On va passer un peu plus vite sur toutes celles-ci maintenant. On les a pratiquement toutes vues. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est juste magnifique. Ah, puis il y a un travail de cartes, de relief, de machin. Ça, c'est... C'est superbe. Superbe. Hop. On a un tout petit peu de place. Alors on va continuer. Alors. Hop. Ça on a eu. Tout ça on a déjà vu. D'ailleurs, hop, je vais décaler un petit peu. On va se renouveler une nouvelle pile. Oh, très bien. Okay. Ça brille derrière, hop, et hop, joli, très joli, j'adore. Ouais, je sais, dans cette vidéo, vous n'aurez entendu que du joli, j'adore, mais en même temps, c'est tellement vrai. Aïe, 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 ça claque vraiment.
Ils ont le même schéma, toutes les cartes chez Weiss Schwarz ont le même schéma de présentation. Mais je trouve que les cartes sont tellement jolies, tellement, tellement sympathiques à avoir que d'une boîte à l'autre, je suis toujours émerveillé, clairement. Qu'on fasse du Love Life, qu'on fasse du Evan Burns Red maintenant, qu'on fasse des choses comme ça, dans des univers totalement différents, et ça c'est très très joli. Et, mais leurs cartes sont vraiment superbes. Hop. Ah, je sais pas. Je ne sais plus. Ben voilà, mettre là, tant pis, à un moment donné, voilà. À un moment donné, je sais plus où mettre de la tête. Toc. Très, très, très sympa aussi, ça. Très, très sympa aussi, ça. Hop, on y va. C'est parti. Oh, on a une autre SR. Hop, on va la cacher là pour le moment. Oh, ça change de ce qu'on a l'habitude d'avoir pour le moment. Très chouette. Et donc, hop, et on l'a pas eu déjà celle-ci, mais en qui brille, là, comme je dis si bien. Il me semble, hein. Ah si, mais c'était autrement. Très bien. Hop. Elle est belle. Hein. Elle est somptueuse. Carte magnifique. Clairement et simplement. Maintenant, où la mettre? Allez, on va retirer celle-ci. Pas simple, hein. Alors, on en est où? On en a encore un tout petit peu. Toc. Encore du SR. Si j'ai bien lu d'ailleurs. Oh, joli, 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 joli. Très joli qui brille. Oh là 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 là. Mais j'ai plus de place. J'ai plus de place, elle va venir là. Et derrière, on a. Hop. Oh. Oh, je t'y mimi. Oh, j'adore, c'est trop mignon. J'adore. Hop. On pourrait faire un truc comme ça, non? Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, attendez, regardez. Est-ce que ça, est-ce que je prends le risque de faire ça? Ouais, je crois, carrément. On y va. Oh, la voit pas. Bon, allez, on la descend. On va la mettre là. Tic. Hop. Tout ça, on a déjà vu, évidemment. On n'a pas de qui brille. Ah si. Oh, charmant. Charmant qui brille. Elle est classe. Elle est très très classe. Eh oui. Hop. Là par contre, je ne sais plus. Tant pis, elle va venir là. Les deux derniers, ils sont là. Ça fait un paquet de cartes après. Hein. Par contre, ça là-dessus. Et hop. Chouette. Ouais, j'avais dit tout à l'heure que j'adorais ce personnage. Donc c'est cool. C'est très très cool. Vraiment cool. Hop. Allez.
Ouais, il faut qu'elle y soit. Et le dernier, les derniers, avec son lot de surprises encore, j'espère. C'est parti. On y va. Let's go. Très bien. Du qui brille. Hop. Waouh, ça c'est super joli. Et la dernière qui brille, parce que ça brille derrière, on le sent bien, on le voit bien, c'est parti. Bah voilà, on finit bien. On finit sur une belle carte. J'adore. Très bien. Ok, bon. Alors, moi je suis ravi, clairement et simplement, je kiffe ces cartes. Pas de signature, oui, j'ai oublié de le dire au début de vidéo, il y a possibilité de carte signée, ben cette fois-ci il n'y en a pas. Mais on a vraiment, vraiment un paquet de cartes magnifiques. Vraiment, je suis aux anges. Ce fond de vidéo est juste trop beau. Il est trop, trop beau. Je kiffe. Et j'aime beaucoup celle-là. Là, toutes celles-ci, là. Ouais, c'est un petit bonheur. C'est un petit bonheur, cette boîte. Clairement, clairement, clairement. Alors, en refaire, ça peut être compliqué. En refaire, ça peut être compliqué parce que... Ah, bah, j'avais pas vu. Ça, c'est marrant. J'avais oublié. Ça, c'est très drôle. En refaire, je ne sais pas. Le but, c'est quand même de découvrir beaucoup de choses. Mais, enfin, si, j'ai presque envie de la refaire quand même, cette boîte, tellement j'ai kiffé. Eh ben, en tout cas, mais dites-moi, tiens, dites-moi si vous voulez qu'on refasse cette boîte pour éventuellement essayer d'aller chercher de nouvelles qui brillent, parce que forcément, on n'a pas que ça. Mais c'est surtout essayer de, en croisant les doigts hein, très très fort, d'avoir une carte éventuellement signée dans la boîte. Elles sont très très rares, très difficiles à avoir, mais bon. C'est le but aussi de notre chaîne, de notre vidéo, de cette vidéo, c'est de, ben voilà, de découvrir des choses et ben d'espérer d'avoir des choses encore plus rares. Moi, j'ai kiffé. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Le petit pouce pour pas oublier si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très vite, comme d'hab, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous. À bientôt.